réserviste de l'armée de terre est aujourd'hui un professionnel à temps partiel qui donne une partie de son temps, de l'ordre de 30 jours d'activité par an, au profit des armées françaises. En ce qui concerne la réserve opérationnelle, elle est composée à la fois de réservistes opérationnels de volontaires, c'est ce que nous appelons la réserve opérationnelle de premier niveau, des gens issus de la société civile ou des anciens militaires, et de la réserve de disponibilité, c'est l'obligation légale pour tout ancien militaire, à la fin de son service, de rester disponible pour une période de 5 ans. Ces personnes-là ont le statut militaire et lorsqu'ils sont rappelés pour exercer une activité militaire, ils ont les mêmes droits, devoirs et prérogatives que leurs camarades d'active. En ce qui concerne la réserve citoyenne, il s'agit d'une réserve avec le statut de bénévole de service public. Et ce sont des gens qui amènent des compétences au profit du rayonnement, du recrutement, de la communication, au profit de notre armée de terre.